Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons le programme pour cette information très spéciale qui vient de tomber. Les Scouts et Guides de France organiseraient un nouveau rassemblement. Nous nous souvenons tous de l'événement du même genre qui a eu lieu il y a 6 ans. Tout de suite, nous retrouvons Jack, notre envoyé spécial qui se trouve devant le centre régional de ressources. Jack, vous êtes devant le centre de ressources. Avez-vous plus de renseignements concernant ce nouveau rassemblement ? Oui, en effet, Suzanne, la nouvelle est tombée il y a environ 15 minutes en conférence de presse où Monsieur Levallois, donc l'organisateur de ce week-end, a annoncé la tenue d'un nouvel événement. Donc cet événement aura lieu le 15 et 16 octobre au parc de la Croix-Laval. C'est pour le moment le seul détail qu'on peut vous donner car on n'en sait vraiment pas plus. On s'y attendait un petit peu mais on ne savait pas que ça allait prendre ses proportions. Donc voilà, donc plus que de vous donner des détails, je peux vous faire revivre dès maintenant l'annonce de ce nouveau rassemblement lors de la conférence de presse qui a eu lieu ici, rue Cuvier, à Lyon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous être déplacés aussi tardivement. L'association des Scouts et Guides de France, par leur territoire de Lyon-le-Vent, vous annonce la tenue du week-end interbranche. Ce week-end rassemblera tous les scouts et toutes les guides de toutes les tranches d'âge du territoire de Lyon-le-Vent. Il se déroulera les 15 et 16 octobre prochains au parc de la Croix-Laval. Merci beaucoup, Jack. À la suite de cette annonce, de nombreuses personnes ont commencé à se rassembler. À Paris, sur les Champs-Élysées, ainsi qu'à Lyon, bien sûr, cette nouvelle est accueillie avec beaucoup de ferveur dans tout le pays et même à l'international. Tout de suite, nous regardons quelques images. Et voilà pour ces quelques images. Je vous laisse retourner à vos programmes. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes techniques. Nous nous retrouvons donc juste après une courte page de publicité.